Le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation tient son premier conseil d'administration de l'année 2015. Ce CACEM est principalement consacré à l'examen du programme d'activité annuelle de ce ministère. Ceux qui prennent part à ce CACEM vont aussi évaluer l'état de mise en œuvre des recommandations du CACEM précédent. Sur l'ouverture des travaux de ce CACEM, le reportage de Bouma Ernest Nebier avec la voix de Nathalie Sawadgo Nabaloum. Le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation tient son premier CACEM de 2015. Une rencontre au cours de laquelle agents et premiers responsables de ce département vont se pencher sur l'état de mise en œuvre des recommandations du deuxième CACEM de 2014 et procéder à un examen du programme d'activité de l'année en cours. Nous allons avoir un regard particulier sur la synergie entre les activités de recherche qui se mènent au sein de notre ministère, mais aussi avec les activités de recherche qui se mènent dans bien d'autres ministères, les enseignements supérieurs et les enseignements secondaires, au niveau du ministère de la Santé, du ministère de l'Environnement, du ministère en charge des mines. Donc il y a plusieurs activités de recherche qui sont conduites. Nous allons mettre tout ça en synergie. Nous allons ensuite explorer les pistes pour que les financements au niveau de l'État et au niveau des partenaires soient coordonnés, focalisés, pour que les recherches puissent atteindre des objectifs quantifiables et puissent atteindre aussi, participer davantage au développement que les populations et le gouvernement attendent. Selon le ministre Jean-Noël Poda, des résultats appréciables ont été enregistrés dans le domaine de la recherche scientifique au Burkina. Les défis également restent à relever pour répondre aux nombreuses sollicitations des populations en matière de technologies innovantes.